cœur du Fissier Expo, nous sommes au stand de couleur bois, ce stand tout de bois fait. Nous sommes avec Madame Marcos, que nous rencontrons tout à l'heure. Elle nous explique pourquoi ce choix, pourquoi cette orientation. Merci. Couleur bois, parce que je suis une passionnée de cette matière noble, voilà, qui nous appartient. Nous sommes en terre d'Afrique et je pense que le bois, c'est une matière qui vaut le mérite, voilà, d'être exploitée, d'être travaillée. Alors, sur votre stand, on voit différents produits faits à base de bois. Comment vous vous définissez ? Comme artisan, nous et producteur. Donc en fait, nous sommes fabricants et principalement spécialisés dans l'art de la table, le mobilier, et puis également sur la décoration, les conseils en décoration et des aménagements intérieurs. Vous êtes occidentale, mais je vois le vent, je vois plein d'autres ustensiles ici en bois qui sont pourtant, j'ai envie de dire, des objets du patrimoine culturel africain. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce métissage-là, à créer des produits africains? Alors, comme vous le dites, j'ai peut-être la peau blanche, mais en fait, je suis née en Afrique et je me considère comme une enfant d'Afrique. Donc, d'où vient cette passion? C'est le cœur qui parle. Donc, vous le voyez à travers toutes nos réalisations. Tout est inspiré de notre Afrique, je dirais. Et toutes ces matières-là, voilà, sont pour moi des matières importantes. C'est vraiment le berceau de l'humanité. Et votre présence sur le Fissier, sur ce forum-là, l'idée, c'est quoi? Faire découvrir votre marque, tisser des partenariats, c'est quoi l'objectif? C'est pourquoi pas trouver du partenariat, développer, pourquoi pas penser à l'exportation également de nos produits, parce que je pense que ça vaut le mérite d'être connu. Je remercie bien évidemment tous les organisateurs du Fissia, et puis je leur dis bonne chance à tous, voilà, dans l'espérance que ça aura marché pour tout le monde. Voilà.